Salut à tous, ici c'est le colonel et bienvenue pour un nouveau Caravan Stage. Alors ça va être le volume 6A sur ce coup-ci pour Coryun sur PC Engine, donc pour le mode 2 minutes. Il y aura bien sûr un épisode 6B pour le mode 5 minutes puisqu'il est proposé aussi par le jeu. Et ensuite vous avez un mode story qui est vraiment excellent, c'est une des perles de la PC Engine, c'est une des perles cachées entre guillemets parce que le jeu est connu mais je pense pas très jouer et moi je pensais vraiment d'y jouer, que ce soit pour les modes Caravan ou pour le mode de jeu classique. Vraiment excellent jeu à tout point de vue. Donc en fait c'est un jeu qui est affilié déjà à Red, hein, un des développeurs majeurs en appui à Hudson pour la PC Engine en fait. Et du coup c'est les gars qui ont réalisé toute la série PC Genjin, donc Bonk en gros, l'espèce d'homme préhistorique avec qui met des coups de tête là. Donc du coup il y a eu deux shoot 'em up sur ce thème là avec Bonk, alors c'est Erzonk et Super Erzonk, Rockabilly Paradise je crois. Alors bon en version japonaise c'est PC Denjin je crois, et donc je sais plus la suite d'un autre nom aussi, mais bon c'est... Et donc du coup Coryun c'est un peu la préquelle de ces deux jeux là en gros, déjà par les mêmes développeurs et surtout le même type d'armement, le même type de gameplay, c'est plus ou moins c'est super Erzonk 0, enfin c'est Erzonk 0 on va dire, et je pense que c'est le meilleur des opus en plus. Donc du coup on va s'attaquer à ce jeu là. Alors il y aura pas mal de choses à dire, il est assez atypique. Déjà il y a le truc majeur à dire, c'est que la règle du quick kill, donc la règle numéro 1 du Caravan Stage, elle est très peu vraie dans ce jeu-là. Donc en fait, on pourra pas vraiment provoquer les prochaines vagues en les détruisant plus rapidement les précédentes. En fait, elles sont fixes en fait, les vagues ennemies, et apparemment, on peut pas en avoir en bonus. Donc comme on peut pas en avoir en bonus, et qu'en plus, on peut pas non plus arriver plus vite sur le boss, que ça soit pour le mode 2 minutes ou pour le mode 5 minutes, apparemment, l'intérêt du quick kill est très très limité. Alors à part sur les boss, donc le boss pour le mode 2 minutes et puis les boss pour le mode 5 minutes. On y reviendra donc sur l'épisode 6. Donc ici on va lancer la run, et donc il faut bien comprendre que le seul intérêt vraiment qu'utilise ça va être sur le boss final pour grappiller un peu de temps résiduel et aller un peu plus loin sur une grosse section à scoring en fait avec des gros fruits. Parce qu'on va parler de des fruits. Alors déjà vous avez la bonus sur le côté, elle sera pas très très utile parce que les bonus sont très évidents sur ce jeu là. Et donc en fait tout le pari sur ce jeu là, ça va être de récupérer beaucoup les fruits qui vont vous être largués à chaque destruction d'ennemis, alors des petits ou des gros fruits suivant la taille des ennemis. On se met en vitesse max dès le début, avec un bouton, il n'y a qu'un seul choix, de toute façon c'est vitesse max qui est pour nous. Donc il y avait un tir chargé si je ne tirais pas pendant quelques secondes, et sinon après j'utilise l'autofire du pas de PC Engine, qui est peut-être moi dans le truc que j'utilise là, pour taquer. Donc du coup, les petits fruits, les gros fruits, alors les petits fruits chaînes et les gros fruits aussi, c'est des chaînes cycliques que vous pouvez perdre si vous laissez tomber en fait. Fruits, mais vous allez voir de quelle façon en fait les petits ça va de 100 en 100, 100, 200, 300, 400 jusqu'à 1000 et ça reprend à 100, donc c'est clic, et les gros fruits c'est à 2000, c'est 2000, 4000, 6000, 8000, 10000, 12000 et ça reprend à 2000. Alors le truc c'est que si vous avez des gros fruits qui tombent, alors un à 2000, un à 4000 et vous faites tomber le troisième qui était censé être à 6000, le prochain que vous récupérez sera à 8000, donc vous avez perdu celui de 6000 en gros. En gros c'est ça qu'il faut comprendre, c'est pareil avec les petits fruits. Donc après le jeu il est un peu compliqué à cause de, en fait, de son design qui est vraiment bien foutu et sa réalisation qui est exceptionnelle, mais alors il y a tellement de parallaxes et tellement de trucs à l'écran et c'est tellement rapide qu'il y a beaucoup de clignotements et on se prend un peu sur NES à des moments, et il y a carrément les boulettes qui vous sont balancées, alors c'est souvent les boulettes, enfin ces boulettes vertes là que vous voyez à l'écran, mais aussi des fois les items tout court, les items de fruits, les items de power-up, n'importe quoi, qui disparaissent de l'écran. Donc faut se méfier, c'est pour ça des fois je fais des grandes antennes là, des grands contours, parce que je suis pas sûr de pas... rater une boulette que j'ai pas bien vue et que je préfère faire très large. Faut s'imaginer des fois qu'on peut les perdre de vue pendant quelques secondes. Donc là le dernier bonus avant le boss, c'était l'équivalent du double œil dans les Super Star Soldier. Il y avait un ennemi donut aussi au début. Donc là on l'accueille avec un tir chargé ce boss là, et alors ça va être 80 000 chaque pince et 100 000 le boss. En essayant de le détruire le plus rapidement possible, moi je conseille de faire un peu comme je fais, mais de temps en temps s'aménager quand même plus de tirs chargés. J'en ai fait qu'un au début et on pourrait le faire un peu plus sur ce boss là. Alors on peut en plus récupérer des gros fruits quand on détruit ses pinces. Là vous allez voir que je vais le détruire avant qu'il m'envoie sa deuxième pince une dernière fois à la gueule, qui m'aurait permis de la détruire. Donc du coup j'aurais pu faire 900, 930 000 dès la destruction du boss. C'est pas le cas, mais bon sur d'autres runs ça le fait souvent, donc normalement on peut récupérer plus de fruits. Et là j'ai grappillé quelques secondes en fait les gros fruits. Alors faut essayer, si vous avez même un peu plus de secondes, de foncer sur les orbes d'armement qui vous permettent quelques frames d'invincibilité. Déjà, elles vous font cumuler les points de votre armement max, hein, c'est 5000 points quand vous êtes au max, mais en plus de ça, elles vous permettent quelques frames d'invisibilité, donc de foncer dans les gros vaisseaux, là, et puis de récupérer le maximum de gros fruits.
plus vous chaînez gros fruits, plus vous récupérez du point, plus vous aurez du point à la fin, et donc plus vous ferez un gros score. Voilà ce qu'il y avait à dire sur ce mode de jeu-là. Mais je peux aussi vous préciser que les espèces de cigognes qui vous amènent les power-up, vous pouvez foncer dedans, ainsi que sur les orbes vertes de bonus, les boules bonus en fait. C'est les seuls éléments qui vont pas vous détruire au contact. Donc du coup, vous pouvez foncer dedans, c'est safe. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse sur ces entrefaits, puis je vous dis à bientôt pour un nouveau Caravan Stage, et puis je me fais bien. Allez, ciao, à plus.